Chouette fille. Elle pète toujours au rubis sur l'encre. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légende urbaine qui deviennent réalité. Et écoute ça. La plupart de ces drames ont eu lieu près de Coldron Lake. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez. Je crois pas à ce genre d'annerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas. La propriété d'un certain Thomas Z. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diversine. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Venez avec moi, je vous conduis au mobile home de Rose. Suivez-moi, c'est pas loin. J'ai du travail, moi. Faut bien s'occuper de cet endroit. Oh, c'est pas le moment, monsieur. On peut y aller maintenant ou pas? Et c'est délirant. C'était là, le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. On a eu du bol que ça écrase pas un des mobilhomes. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Coldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de gosses. Enfin bref, Al. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? C'est un peu timbré, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression.
Très bien, monsieur. Voici le mobilhome de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On est juste venu lui parler, vieux. Bienvenue au... Oh, ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Oh oui. Oui? Entrez donc. Hey, c'est vraiment délicieux, hein? Rose. Oui? Mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. Je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, c'est... Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais. Al. Oh. Barry! Qu'est-ce que... S'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Remettez-vous au travail. Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère. Et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives. Chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Odier Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour? Merci et bonne journée. À bientôt, j'espère.
Barry était dans les vapes. Il était bien trop lourd à porter. C'est bien vrai. Mérite d'être mieux payé. Je suis si sexy. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air. Je peux vous dire que le temps se gâte. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler, plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires, entrecoupées de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, oh, peut-être, mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. Salut, Pat. C'est Walt Snyder. Qu'est-ce qui ne va pas, Walt? Je sais pas comment, mais... J'arrive pas non plus à dormir, vous savez. Je fais que regarder par la fenêtre, en essayant de trouver un sens à tout ça, mais... J'ai pas bu une goutte d'alcool non plus. C'est juste. Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Walt. J'en ai entendu parler, Walt. Enfin, vous savez, c'est... Danny est mon meilleur ami. Et j'ai délibéré sous caution aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre à la fête, vous savez, tout seul. Et il y a quelque chose de bizarre dans l'air ce soir. Je me suis dit la même chose en regardant le ciel tout à l'heure au-dessus du studio. Qu'est-ce que vous attendez, Walt? Je sais pas. En fait, il va se passer quelque chose. Je dois mieux y aller. Eh bien, Walt, peut-être... Non, merci, Pat. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Walt. Tenez bon. On fait une petite pause, les amis. Faut avouer qu'il fait un sacré temps, pas vrai? How can I be sure?
Oh, vous allez le payer cette fois. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger, de ma part. Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake! Allez, compliquez pas les choses! Allez, fouillez les choses! Fouillez la zone! Attention! Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre.
Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté ou quoi que ce soit. Mulligan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'étais... Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan. Terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, adjoint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramener. Le type du FBI va vouloir interroger Wheeler. Terminé. Ouais, j'en doute pas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Maine semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Le projecteur n'était pas alimenté.
aurait fallu reconnaître les grenades incapacitantes. C'était des armes idéales dans ma situation. Équipe 1 à vous. Terminé. Équipe 1, ici le shérif Breaker. Au rapport. Terminé.